Rebonjour YouTube, we back again in this bitch pour une vidéo où on va jouer à GeoGuessr. Vous connaissez GeoGuessr? Yo, c'est pas mon problème, je vais pas commencer à vous faire un tuto. Pour faire simple, il faut se retrouver à travers le monde. Genre, on nous met dans un endroit, genre avec Google Maps, il faut retrouver c'est quoi le pays, à peu près où est-ce qu'on est situé. Franchement, meilleur joueur mondial. No cap, comme disent les jeunes. Donc, ce qu'on va faire, on va jouer au jeu, et on a qu'une seule game gratuite. Donc on n'a pas le choix de faire un score incroyable. Nouveau streaming vibe, là c'est comme si c'était un concert les rêves. Merci à Jessica pour le sub, merci beaucoup à Kinoa pour les 200 bits. Single player, start game. On atterrit dans un endroit, ma foi, assez vide. On dirait que c'est un endroit avec comme des fermes, vibe campagne. Faut qu'on essaie de trouver des indices. On va essayer de se balader un petit peu. Juste comme ça, je pense que c'est... En tout cas, je sais que c'est pas en Amérique. On a un petit indice ici. Scado. I don't watch the chat. I'm not a cheater. Je suis pas un cheater là. Faut pas que... Je peux pas traduire. Il y a peut-être des gens dans le chat qui ont compris exactement où ce qu'on était là grâce à ça. Mais faut pas que je regarde. I'm not cheating, ok? Je regarde pas le chat, ok? Ah, attendez, on va voir la map. On est dans cette vibe là ici, les reyes. Je sens, vous voyez en fait cette connexion ici à peu près? Moi c'est dans ces coins là que je vois. Là, c'est sans regarder le chat là. Moi c'est dans ces eaux là, dans ces coins là. Je dois vous avouer que je serais pas deviné exactement où. Mais bon, je vous avoue que c'est aussi également un des endroits les plus. Comme il n'y a rien à part des toits rouges. Et des indices qui pour moi ne peuvent pas m'aider là. Je vais aller en Pologne. Qu'est-ce qu'il y a? Dans ce coin-là là. J'y crois. Oh, voyons les reyes. Je suis le meilleur joueur de GeoGuessr. Regardez ça. Dans 3, 2, 1. On va voir la vérité. Oh! Ok. Ouais, ok. J'aurais pu faire mieux mais... Pas mal. Je suis quand même fier. Honnêtement là. Ok, on passe au prochain. Next round. Oh! Là, on a l'air d'être, je dois vous avouer, dans... C'est soit aux États-Unis. Non, c'est sûr que c'est aux États-Unis, ça. Les voitures. Il y a pas mal d'indices qui laissent croire ça. Tout ça pour dire, on est aux States, ça c'est clair et net. Pas dans une grosse ville. Là, encore une fois, on est vraiment quelque part perdu. En même temps, tu m'étonnes, c'est un peu le but. Là, ils vont pas me mettre à côté de la Statue de la Liberté et me dire, t'es où, là? Il y en a qui disent l'Australie. Ah ouais, l'Australie. Dans ce périmètre, les rêves. Mais c'est gros. Faut oublier que les États-Unis, c'est quand même un gros pays, là. Alkin Service. Alkin, est-ce que c'est un jeu de mots pour peut-être un endroit ici? Ah, peut-être. J'essaie vraiment de trouver des indices partout, c'est terrible. Ah, let's go! On a trouvé un petit indice, les reyes. Mais... Ouais, ok, je pensais que c'était... Ok, c'est vraiment gros le Kentucky par contre. Kentucky West, c'était écrit? Ok, donc l'ouest du Kentucky. Oui, c'était où? Ah, c'était là, ici. Normalement, il y avait une indication qui disait l'autoroute. Voilà. Voilà, donc la 109 est là-bas. La 80 est là-bas. Ok, c'est vraiment moins précis que je pensais. Cette autoroute-là, on est d'accord. Mais ce truc, c'est que ça nous dit juste, ouais, elle est là-bas. Donc, c'est pas très, très précis. Eh, vous êtes chaud? On place là. Et puis, c'est bon. Je pense qu'on a fait quand même une bonne enquête, là. Je le place là. Et puis, regardez ça. Encore une fois, le meilleur joueur de GeoGuessr a frappé. Si près. Pas mal. Non, je suis fier. On va pas me l'enlever, je suis fier. Shout out to Tomo Kentucky qui était écrit. Et là, je peux vous garantir que on vit un moment encore une fois les rêves parce que la musique est très en mode je vous paye chaud. Donc attendez. Waouh. Je vous avoue que je passe un agréable moment. J'ai même bégayé tellement que je kiffe. Ensuite, next round. Oh. Où sommes-nous? Oh. Ah, je le call out là. On dirait que... Ah, oh, on dirait des maisons japonaises. Je suis allé au Japon. Là, j'avoue, on va... Venez, on fait un jeu les rêves. On y va au talent. Au talent. Je veux tous ensemble dans le chat. Au talent. On y va au talent, les reyes. Parce qu'on sait pas trop si c'est ici ou c'est ici. Donc là, moi, je vais aller au talent, encore une fois. Comme ça peut être au centre. Ça peut être en haut comme ça peut être en bas. Vous allez la partager. Beaucoup de monde disent nord, sud et tout là. Donc écoutez, j'y vais comme ça. Vous êtes prêts? Le talent, les reyes. Le... Talent. Non. C'est un constat de la vie, les reyes. La vie est une pute. Attendez, peut-être que c'est possible, les reyes. On va peut-être avoir notre réponse maintenant. Continue to the game. Le talent est donc réel, j'ai envie de dire. C'était pas trop mal. À 434 km. Mais pour ce jeu-là, c'est pas mal. Et on sera quand même fait bait à croire qu'ils nous regardaient en live, là. Et qu'ils ont voulu couper l'action comme ça. Allez, next round. Où sommes-nous? On est... Presque clairement en Europe, je pense. Attendez, peut-être je me dis de la merde. Ça m'a pas... Pourquoi c'est... Yo, on est rendu dans des vibes Evanescence, la musique? C'est ça le problème des musiques no copyright. Je veux que des darks qui coûtent dans le chat, s'il vous plaît. Commencez à écrire en mode Skyblock 2002.
avec des points d'interrogation puis des espaces. Vraiment nice les Rey. Comme j'aime bien cette ambiance bresson dans le chat là. C'est vraiment ça qu'on aime. No exit. Donc, un endroit anglophone à ce que je vois. Vous êtes l'Australie, Nouvelle-Zélande, truc comme ça. La musique est vraiment très triste, les Rey. Je vais switch tout de suite. Bah, c'est pas le but. Moi, je veux de la bonne humeur dans ce live. Alors, comme je disais. Donc là, on avance. On est rendu où là? Oh, Liston Park. Liston Park. C'est peut-être un les Rey. Je pense qu'on a un indice là. Non, toujours pas. C'est normal, les M et les V. Je suis en Nouvelle-Zélande, je suis en Australie actuellement. Ouais, je suis prêt à parier. Quand même, faut pas oublier que comme l'Australie, c'est un gros pays. Moi, je vous dis, les Rey, c'est pas en Amérique. Je pense pas que c'est en Amérique, ça. Vu les voitures. Les voitures, là, ça, c'est un très bon indice. Et la température a l'air tout chaude si on est dans le sud, là, les tropiques, tout ça. Allez, est-ce qu'on peut avoir un sondage, les Rey, comme c'est vous qui allez décider de mon talent ce soir? Est-ce qu'on va plus vers l'Australie ou la Nouvelle-Zélande? Parce que pour l'instant, je trouve pas d'indice flagrant. Vertical. Oh. Il suffisait de demander visiblement les Rey. Tous ceux qui ont dit Australie, vous êtes vraiment des imbéciles. Voilà. C'était pour vous tester. C'était pour vous tester, voyons, évidemment. Donc, nous sommes en Nouvelle-Zélande. Forcément, je pense qu'on est un peu plus au sud. Si je dis pas de conneries. Des fois, je peux utiliser les fesses. Des fois, je dois cliquer sur la rue. Yo, on fait des zigzags. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, la voiture de Google Earth a fait de la drift là. Non, il y a quelqu'un dans le chat là qui m'a motivé là. Ressaf, là, tu m'as chauffé, là. Let's go, allons au talent. Et je pense que, de toute façon, on est presque sûr que c'est dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Après, ça... non, je suis con. Quand les... Waouh, je vais poser une question, les Rey, comme... Quand, en été pour nous, il fait froid là-bas, right? On est d'accord. Donc, techniquement, il devrait pas avoir des palmiers là, mais plus en haut, non? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la logique, là? Est-ce que je me perds pas trop? Est-ce que je vous rejoins, là? Donc, vu qu'il y a des palmiers, pour moi, les palmiers, c'est peut-être... regardez ça ici. Palmerstone. Genre palmier. Genre, moi, j'aime bien ce nom-là, là. On va éviter les montagnes, tout ça. Ça va être proche de l'eau. Je vote ici, les Rey. On y va au talent. Le talent! Oh! Si efficace, les Rey. C'était juste l'autre côté. J'étais si près, là. Mais c'est pas grave. Oh, c'est pas mal. Franchement, encore une fois, c'est la preuve que je suis le meilleur joueur de GeoGuessr de la Terre. Où sommes-nous? Je sais pas, quelque part en Russie, ça me fait penser à la Russie. Vite fait comme ça. Ça me fait penser soit à la Russie, soit genre Roumanie, soit... Oh, nous avons des inscriptions. Qu'est-ce qui est écrit? Ah oui, je pense qu'on est clairement sur l'est de l'Europe. Je vais opter pour la Russie, je pensais que... Moi, je sais pas pourquoi ça me fait penser à la Russie, alors que je suis jamais allé en plus. Oh, ça, c'est un nouveau développement, c'est quoi ça? Comme il y a un mix de... Mais c'est cool, ça. Vous voyez, il y a des genres un mix de maisons modernes et d'anciennes maisons. Bon. Je vais utiliser un joker, comme dans les émissions, la télévision. J'utilise un joker, les Rey. Vous pensez que c'est en Bulgarie? Ok, je me fuis au chat. Celle-là, c'est pour vous, les Rey, que je le fais. Genre, donc, si on se trompe, c'est votre faute. C'est la meilleure façon pour que je puisse enlever le blâme, c'est génial. Au nord de la Bulgarie. Ah ouais? Oh! Oh, il y a un gros débat dans le chat, là. Oh! Là, n'hésitez pas à voter, en fait, là. Va jusqu'à l'aéroport. Ouais, c'est vraiment la façon d'être sûr à 100%. Ah, vous avez pas l'air sûr, là. 143 personnes qui disent non. Contre 133 qui disent oui. Donc, pour l'instant, c'est toujours pas validé, la Bulgarie, en tout cas. Oh, on est dans une... Ok, après, là, c'est le néant, les Rey. On est arrivé sur la fin de la map, là. Ça commence à devenir loin, là. On va trouver. Oh, on avait un panneau. Je vous laisse le lire. Kazan. Kazan. Pas le droit. Donc, pas le droit de Kazan. Oh, les gars, là, vous êtes vraiment mélangés, là. Vous avez pas l'air sûr. Moi, je sens que vous vous trompez. Je sais pas pourquoi, mais je sens que vous vous trompez, le chat, là. Moi, je vous suis, là. Donc, c'est en Russie. Attendez, je vais voir si... Kazan, c'est où, exactement? Kazan, c'est là.
C'est là que... Oh, pas mal! Oh! On passe en Russie. Ah, mais attention, à la base, on m'avait spammé le chat. Au début, tout le monde disait c'est Bulgarie. Moi, je fais juste suivre vos conseils. Est-ce que vous validez celui-là, là, les Rey, maintenant? Je pense que c'est rendu le vote final. Je vais peut-être le modifier un peu. Dites-moi où le mettre, là, exactement. Là, c'est bon. Est-ce que vous validez, là? Est-ce que vous validez ça? J'ai mis Nord-Est de Kazan. Kazan. Donc, je sais pas comment on l'appelle. On va voir à quel point vous êtes chaud, là. C'est le moment, les Rey. Vous avez l'air majoritairement confiant. Donc, voyons à quel point vous êtes talentueux. En plus, sur une musique épique de Minecraft, là, moi, je suis chaud. Parce que je vais me foutre de votre gueule si vous l'avez pas eu, celle-là. Oh là là, vous êtes beaucoup de cerveaux réunis pour ça. Oh shit! Pas mal, pas mal, pas mal. Bande de tricheurs, là, je vous ai vu. Il y en a qui ont dit, qui ont regardé sur Google. Je vous ai vu, bande de tricheurs, vous vous croyez trop intelligent et tout. Pas mal. Hey, on a toujours été près des objectifs. Donc, on a 21 721 points. Ce qui fait que c'est la preuve que je suis le meilleur joueur des GeoGuessers de la Terre. N'est-ce pas merveilleux? Une confirmation en direct live que vous êtes des gens super intelligents et que vous êtes en compagnie du meilleur joueur de GeoGuessers de la Terre. Donc, on a fini la première... la game gratuite. Dans tous les cas, les Rey, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube. Et si vous aimez ce genre de contenu, yo, likez, abonnez-vous à la chaîne. Je vous laisse dire au revoir à YouTube en passant. C'était une vidéo. Donc, dites au revoir. Soyez polis. Sont dans la hi-fi, à fond à minuit. Litre de Lily, de couleur glycine. Laissez m'adoucir, je me suis affermi. Pas vraiment d'amis, je suis dans mon abri. Faut pas que je perde la face.